Les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc si vous aimez les vidéos comme ça en voix off, n'hésitez pas à me dire ça. En tout cas, on va faire une petite vidéo tranquille si et seulement si. Donc les amis, j'espère que ça va bien se passer. Donc nous allons parler de tout et n'importe quoi. N'hésite pas à mettre un like à cette vidéo, à t'abonner et à commenter, ça me ferait être extrêmement plaisir. Et abonne-toi parce qu'on arrive proche des 400 abonnés, mec, et merci à vous les gars, go les 400 abonnés, vu que c'est énorme, 400 abonnés, donc merci à vous les gars. Donc aujourd'hui je vais parler un petit peu de ce qu'il se passe un peu sur Popitmania les gars, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas les choses par rapport à Popitmania les gars. Le petit clip Popitmania fait par Lily Rose, que je le connais très bien. Donc déjà les gars, premièrement je vous rappelle que Popitmania a été créé. C'était pas pour insulter les 2010 en fait, parce que genre au jour d'aujourd'hui que je vous rends cette vidéo, c'est passé sur BFM TV, des chaînes de télévision, il y a même le ministre de l'éducation nationale qui en a parlé, parce que il croyait que Popitmania est tout simplement une insulte envers les personnes nées en 2010, mais les gens ne comprennent pas, par exemple ceux qui sont en plus âgés, on va dire. Les personnes qui sont plus âgées que les 2010 ne comprennent pas que la chanson Popitmania a été faite pour l'humour. La chanson est humoristique, les gars. Donc ce serait bien que vous arrêtiez de penser que Popitmania a été fait tout simplement pour insulter tout le monde. Du genre, ça. Et comprenez l'humour, enfin je sais pas, mais bon. C'est un peu Esteban l'a signalé que la vidéo était... Enfin, la chanson était humoristique et même c'était détaillé dans la description. Et je vois pas pourquoi il se moquerait, surtout qu'il y a zéro raison. Donc voilà, quelqu'un fait... vous faites tout ce que vous voulez, vous faites tout ce que vous croyez, je vous dis pas de faire ça ou faire ci. Mais les gars, c'est une chanson humoristique. Du coup... n'y croyez pas. On n'insulte pas les 2010 avec cette chanson. Contrairement, on s'amuse. Ils s'amusent et c'est assez bien, les gars. Donc arrêtez de croire qu'on insulte les 2010. Les 2010 sont des humains comme tout le monde, comme vous et moi, les gars. Donc arrêtez ça, ok, mec. Bon, là, on va parler de ma chaîne YouTube, de ce qui se passe en moment sur ma chaîne YouTube. Donc bon, en ce moment du coup on a dépassé les 400 abonnés, je crois que à ce moment où je tourne cette vidéo on a 415 abonnés, je ne sais pas, mais vas-y go les 500 abonnés les gars, mon but c'est d'avoir les 1000 abonnés avant 2022, est-ce que c'est possible? Je pense, si j'ai les 1000 abonnés avant 2022, je vous jure que je me teins les cheveux en... Allez, en quelle couleur je peux faire? Allez, en vert fluo les gars, ouais je vous jure. Non, bleu fluo. En bleu ou en jaune, les gars. Je me teindrai les cheveux. Si on attend les 1000 abonnés. Avant 2022. Je vous laisse jusqu'au 1er juin 2022. Ok? Ok, pas de soucis, les gars. Donc, du coup, pour ma chaîne, là, je vais... Alors, je sais pas si cette période est encore passée. Parce que je tourne mes vidéos en avance, mais... Et à un moment, je sortirai pas trop beaucoup de vidéos. Donc, il y a une journée où je sortirai pas pendant 2 jours. Après, j'en sortirai une. Pendant 2 jours, je ressortirai pas. Et après, je ressortirai à 17h. Tout simplement, pourquoi vous vous demandez? En fait, c'est que j'ai des problèmes de connexion. Et faire une vidéo tous les jours pour 17h, c'est assez compliqué. Donc, voilà, les gars. Et voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, mon contenu. Je vois que oui, vu qu'à chaque fois, on a... On n'atteint aucun dislike, donc ça me fait plaisir, les gars, écoutez. Ça me fait très plaisir, et en plus de ça, on augmente plus d'abonnés. Et ça, c'est très cool. Maintenant, nous allons aborder un dernier sujet. Les gars, c'est une chaîne YouTube que j'avais créée. Donc déjà, allez me suivre sur mes réseaux sociaux, qui sont dans la description, les gars, et je... Je sais pas si je vous donne mon snap parce que de base genre il est privé, mais bon vas-y, je vais peut-être vous le montrer. Alors j'avais fait une chaîne, je sais pas si vous vous rappelez, mais genre
Genre, je m'étais, un jour, je m'étais coloré les cheveux bleus. Genre, ouais, ça m'est déjà arrivé de colorer les cheveux bleus. Donc, allez voir sur mon Instagram si vous voulez voir la photo. Mais ouais, du coup, oui, je vais créer un compte comme ça. Genre, où je vais reposter tous mes TikTok. Mais en fait, le problème, c'est que je me rends compte qu'il y a personne qui me suit. Il y a plus de personnes qui me suivent sur TikTok et qui me suivent. Oh là là, et qui me suivent. Ceux qui me suivent sur TikTok. Sur TikTok, j'ai au moins 50 abonnés vu que j'ai recréé un compte car j'ai été banni. Du coup, ce qui me fait un avantage, c'est que je peux augmenter d'abonnés, mais aussi pas. Donc, je pense que la chaîne sera en description. En fait, à chaque fois, je pense à rien, les gars. Donc, en tout cas, c'est très bizarre. Mais en tout cas, like, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Pour moi, pas les amis. On se dit à la prochaine.